Hey, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous retrouve dans Tomb Raider. Ah, pour la suite de l'aventure, hein, tout simplement. Le pilote, je dois le retrouver. Donc voilà, ça c'était le pilote, hein. On a essayé d'appeler. On avait mis un émetteur sur une tour radio. Tout en haut de la tour radio, hein, pour pouvoir appeler de l'aide. Appeler à l'aide. Un avion a survolé l'île. Il s'est bien sûr fait foudroyer par un orage, hein, bizarrement. Et donc l'avion est parti se crasher. Et puis le pilote, eh ben, on l'a vu. On l'a vu comme un con, hein. Il est tombé, donc bon, bah, on aille voir où est-ce qu'on peut aller le récupérer. Il a l'air d'être par là-bas. Donc on y va tout de suite. On va aller voir ce qu'on peut faire pour lui. Alors, les barres suspendues s'utilisent comme des trapèzes. Donc on a changé de décor, hein, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. On est dans un village suspendu. Alors je suis curieux de savoir comment ils l'ont construit, hein. Allez, go, allez, saut droit, on saute. Chut. Je me dis que ça va se crasher. Ah oui, d'accord. J'ai pas le choix. Ok, donc c'est une course contre la montre. Parce qu'il y a tout qui pète. Allez, je cours, Lara. On va aller tout péter. Je sais où je dois aller. Tant pis, je descends par ici. Allez, je saute par là. Ça s'effondre encore ou c'est stable là? Ah, des coups de feu. Lara, tu es là. Eh merde. Ok, je vais prendre mon flingue. Oh non, je vais prendre même ma grosse ouais, grosse mitraillette. Là, il vient de... Ah, voilà. Putain, il vient de buter le pauvre pilote. Ah oui, je peux enflammer ma torche, évidemment. C'est vrai, hein. J'avais pu fabriquer un allume-feu. Non, je voulais juste éteindre ma torche. Je sais plus comment on l'éteint la torche, c'est un truc de fou. J'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Pauvre pilote, putain. Pas eu de chance, hein, décidément. Bon, alors. Allez, on va continuer par là. Bon, je fais des petites roulades juste pour le style. Ah bah, il y a un feu de camp ici. Juste une petite plante. Allez hop, on va camper. Je n'arrive pas à chasser cette idée de mon esprit. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts. Je sais plus, mais je crois qu'il faisait beau, hein, quand on a mis l'émetteur sur l'antenne radio.
Bon alors, j'ai une compétence que je peux mettre. Maîtriser une compétence supplémentaire pour débloquer le niveau 2 vétéran. Je regarde hein, qu'est-ce qui peut être utile. Des récompenses supplémentaires, je crois que c'est des points d'XP en fait. Ouais, ouf. Bon, allez, je vais mettre ça à roublardise. Appuyez sur C pour ramper, puis sur F pour lancer de la poussière dans les yeux des ennemis, les aveugler temporairement. Allez. Donc du coup, niveau de compétence vétéran maintenant. Voilà. Alors, Lara peut maintenant utiliser son piolet pendant les combats. Appuyez sur F près d'un ennemi pour le frapper avec le piolet. Porter des coups supplémentaires pour étourdir les ennemis. Top. Et du coup, ça me développe... Ouais, je peux développer, déverrouiller d'autres compétences maintenant. Ok. Ok, ouais, ça va être pas mal. Et équipement. Bon, après, il y a des trucs. J'améliore pas forcément, hein. Ouais, je vais garder pour l'instant, allez, on s'en fout. Moi, je vais prendre mon arc, j'aime bien. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Allez, rejoignez Ross. Ah, une petite caisse ici. Ah merde. Par ici. Un balle dans la tête. Tirer sur la corde. Ah, sur la poulie. Voilà. Ah, corde nouvelle équipement acquis. Je suis en train de me faire pilonner. Avec la flèche grappin. Appuyez sur E pour ramasser. Ah, je peux les tirer aussi avec le grappin. Voilà, hop, tiens. Alors, je peux aller en face là-bas.
peut tirer sur tout, hein. Allez, j'essaye. Hop, c'est bon. Ah bah, je peux tomber. Ah, donc je peux aller dans la flotte sans crever. Ah, voilà. Ça, je récupère un petit peu de matos. Encore un cadavre par ici. Il faut que j'essaye de monter. Si je tire là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah, je peux m'accrocher là, il me semble. Ah ouais, c'est bon. Je peux aller là-haut. Voilà, des petites flèches. Ouais, 30 flèches, ok. Alors, pont de corde. Utilisez des flèches grappins près des poteaux d'ancrage pour fabriquer des ponts de corde. Sur E pour ramasser. Ah oui, c'est pour ramasser les flèches, ok. Donc, je tire un grappin et bam, hop. Je saute et j'y vais. Ok, je vais essayer de monter là. Ah, j'aurais pu la mettre là-haut, effectivement. Le blaireau. On va essayer de la faire comme ça. Voilà. Il y avait que ça, hein, ouais. De la merde. Alors là, une petite plante, voilà. De nouveau des petites flèches, nickel. Et là, il faut que j'ouvre ce truc-là. Donc pareil avec mon grappin. Voilà, petit moyen d'ouvrir une porte. Alors oui, quand j'ai la torche, du coup, je peux pas prendre l'arc. Je peux rien prendre d'autre, en fait, comme arme. Ah, voilà Ross. Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. C'est très bien, et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday, ici le copilote Jessup de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessup, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam.
Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Ok, alors rejoignez la balise fumigène. Ah, mais il y a un petit campement par ici. C'est triste, Ross. Écoute, Lara, si tu veux vraiment le faire, alors fais-le vite. Je suis désolée, Ross, mais je ne peux pas le laisser seul comme ça. Comment tu vas faire? Je vais descendre dans la vallée. Je pourrai peut-être rejoindre les autres. Je peux pas rester là comme ça. Mets-toi en route, Lara. Plus vite tu partiras, plus vite tu pourras nous rejoindre. J'ai trouvé un vieux fusil à lunettes dans les ruines. Un coup de chance, hein? Et il était chargé en plus. Je vais voir s'il fonctionne encore. Ok. Alors question, est-ce que je peux lui mettre une balle? Ah non, j'ai essayé, j'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Bon, bah allons-y, donc je vais reprendre mon arc, hein, bien sûr. J'essaie de le faire sans me tuer. Personne. Leur option stratégique. J'ai envie de le buter lui là-haut. Voilà. Ah, il est tombé le con. Ah ouais, putain, il est tombé là. Oh, tant pis, je pourrais pas récupérer son matos. Ouh, modification disponible, trouver un feu de camp. Je vais pouvoir améliorer mon arc. Alors. Très courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelée kampo. Cette fiole a l'air très ancienne. Je sais pas ce que c'est dedans. Alors examiner pour trouver des informations cachées. Bon. Examiner l'arrache, comme ça, ça fera tous les angles à peu près. Non? Là, je veux mes XP. Ouais, que de la merde, hein. Y a un truc là. Bon, je trouve pas. J'arrive pas à montrer des trucs cachés. Bon, allez, on s'en fout. Hop. Là, je crois qu'il me faudra un truc spécial pour faire ça. Allez, l'autre cadavre, il est là. Ah, ça, je peux allumer maintenant. Quelqu'un? Ross?
Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville. Cet endroit, c'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Elle est Lara. T'as les trucs qui pètent de partout. Ça, je vais allumer ça. Voilà, ça sert à rien. C'est pas grave. Déjà un petit machin allumé. Avec la flèche, je peux me déplacer par là-bas. Ah oui, bah je suis nouveau à l'endroit initial, ouais, là où il y avait le... Ok, le truc de l'avion, là, qui est écrasé en bas. Donc là, je peux enflammer et utiliser l'arc. Voilà. Non, Lara, je voulais juste descendre d'un cran. Là, ouais. Voilà le signal. Petite partie d'accrobranche. Hop, allez, un petit coup de piolet maintenant. Allez, faut qu'on rentre. Ferme-la et laisse-moi finir. Alors, j'ai deux ennemis. D'accord, c'est parti. Quoi le premier truc que tu feras quand on aura quitté ce rocher? Un bon repas. Ah, ouais. Et tu mangeras quoi? Il a entendu quand j'ai tiré ma flèche, peut-être, non? Je sais pas pourquoi il est devenu cinglé. Ah oui, il est tombé. Je sais pas. Ah non, bon, ils sont juste barrés, tant pis. Je les aurais bien bu. Ah! Putain, le bâtard. Ah, ils ont repris leur position initiale, les cons. J'ai besoin de renfort! Abusé, Putain, comme une canarde, les bâtards. Prends ton. Ta mitrailleuse, Lara. Putain, les gars, ils ont rien respawné là-bas, t'as abusé. Voilà.
Ah, il y a un truc là en dessous. J'essaie d'y aller. On a beaucoup regardé cette photo. Elle a été pliée et dépliée de nombreuses fois. Il n'est jamais rentré chez lui. Cette île a pris tant de vie. Voilà, des petits points d'expérience en plus. Je sais pas, il y a tellement d'endroits où je peux aller. Ah mais on dirait que c'est un tombeau là-bas. Il y a peut-être un tombeau là-haut. Ouais, donc je vais y aller. Je pense que je pourrais redescendre après. Ouais, tombeau secret. Bon, il est pas tout à fait secret, hein. Il est très 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 clairement indiqué, même le jeu t'y envoie. Je vais tout simplement y aller. Je fais juste une petite vérification. Ok. Hop. Je dois trouver un moyen de monter. Ok. Là, ouais, d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Salle de l'ascension. Ah, nouveau camp découvert, là. Ah, voilà, arc recourbé, échange d'armes. Cela n'affectera pas les améliorations précédentes. D'accord, et qu'est-ce que ça me fait maintenant, arc recourbé? Bon, je sais pas, je crois qu'il est juste un peu plus puissant. Ah, je peux améliorer deux fois la cadence de tir. Bon, allez, on va l'augmenter une fois déjà. Ça, le chargeur. Voilà, allez, ça suffit. Mais il y en a du vent, ouais. Alors, je peux interagir avec plein de trucs. Je dois aller là-haut, j'imagine.
ça, ça ferme le volet. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, d'accord. Enfin, j'ai compris. Le vent est de nouveau libéré. Puis là, ça va lâcher ça. D'accord. Ah, le con, j'ai sauté trop tôt. Ah, le boulet. D'accord, ça me sert de catapulte. Parce que si je la bloque tout de suite, en fait, ça va servir à rien. Hein. Ouais, ça sert à rien. Donc, je bloque ça en premier. Allez, j'appuie. Voilà, ça c'est bon. On va vite faire monter ça. Voilà. D'accord. De toute façon, je dois fermer ça en premier, j'ai pas le choix. Là, à mon avis, il faut que j'attende un petit peu. Ah non, attends, je vais vérifier. Je crois qu'il doit y avoir deux ou trois... D'accord, il lâche... D'accord. Je vais attendre déjà que la première fenêtre se rouvre. Ah si, là je suis bon là. Magnifique. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines ? Ok, là il n'y a que dalle, donc on va aller récupérer le trésor. Et voilà, petit trésor. Voilà. Ah, j'ai une première pièce d'un nouveau pistolet. Donc très très bien. Alors, on va essayer de redescendre sans crever. Alors, compétences. Donc je peux déverrouiller de nouvelles choses. Hein. Utilisez votre perception améliorée pour trouver des récompenses cachées dans l'environnement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ?
Alors, permet de transporter un max de munitions, ou alors éliminer vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. Ça, c'est spécialiste. Piolet cranté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Et là, après avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans le genou de votre ennemi pour le rendre vulnérable à un coup critique. Moi, je vais afficher les récompenses sur la carte. Ce sera mieux. Voilà. Allez, c'est bon, je me casse. Placement des récompenses sur la carte. Là, ils sont sympas, ils me les affichent déjà. Allez. On devait toujours aller là-bas. Ah, je vais aller afficher le truc là. Allez, brûler le petit cierge. Voilà. Je peux aller partout ou c'est chiant. Ah bah si, de toute façon c'est par là-bas que je dois aller. Aujourd'hui, je suis Oshi, fille de Ihiro et de Kokoro. Demain, je serai Oshi, fille du soleil. La reine a parlé, et on m'a remis la robe. Toutes les filles de l'île rêvent d'un tel honneur. Ma mère ne peut s'empêcher de pleurer, et mon père rayonne de fierté. Je ne l'ai jamais vu sourire autant. Ce grand honneur permet à ma famille d'entrer dans la haute société du Yamatai. Nous ne manquerons plus jamais de rien. Et un jour, la reine solaire me choisira peut-être pour prendre sa place. Et pourtant, je ne peux pas nier ce que je ressens. J'avais d'abord mis ce malaise sur le compte de l'émotion, mais rien n'y fait. Je ne peux pas refuser cet honneur. Ce serait la ruine de ma famille. Mais la reine me fait peur. Eh oui. Un truc à récupérer là-bas. Allez, j'essaye. Ouais. Là, je peux voler des œufs. Putain, j'ai cru que je tombais. Cette île maudite. J'en ai assez vu du Yamatai. Je ne peux pas expliquer le pouvoir de la reine, mais je sais qu'il n'est pas de ce monde. Comme je le pensais, elle a compris mes intentions dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette île. Elle m'a manipulé afin de savoir quelles informations je cherchais à obtenir. Elle a toujours su. Si je parviens à quitter cette île en vie, je préviendrai mon maître. Je lui dirai de se tenir à l'écart du Yamatai à tout prix. Si nous voulons naviguer sur ces mers, nous paierons le tribut exigé par la reine solaire. Mais nous ne devrons jamais tenter de la duper. Concernant les autres choses que j'ai vues, toutes ces horreurs, je me tairai à ce sujet.
C'est sympa, hein. Ça n'annonce rien de bon. Allez, je vais y arriver. Il faut que j'arrive à l'atteindre. On parie combien que la corde elle va lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a le truc de la zone juste en dessous. Normal, hein, c'est normal qu'elle va lâcher. J'utilise E pour me raccrocher. Voilà. Je peux allumer tous ces flambeaux. Je sais pas s'il y a un intérêt. Salut Lara, Ross nous a parlé de l'avion. T'en fais pas, il y a forcément un autre moyen de quitter ce rocher. J'espère. Des nouvelles de Sam? On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. Ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais, elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. T'es vraiment nul comme monteur, Alex. Tâchez d'être prudent, d'accord? Bonne chance. Je vais faire la chasse au lapinou. Et merde. Moi, sérieux. Ah, il y a un feu de camp ici. Eh bien, je vais sauvegarder ici, on va camper. 5 ans provisoires et j'ai encore un point de compétence. Alors, ça va vite hein, les points de compétence. Esquive, ouais, utiliser un coup surpuissant. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Ah, ou un max de munitions. Allez, max de munitions. Voilà. Voilà, bon ben... Ce que je vais faire, je vais... ouais, je vais stopper cet épisode-là. Puis on va continuer hein, l'exploration de la grotte dans le prochain épisode. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao, ciao.